C'est très difficile de parler au nom du Bénin, mais ce que nous constatons, c'est une position constructive, c'est une position d'amitié, c'est une position également qui est conforme aux résolutions du Conseil de sécurité, aux résolutions de l'Union africaine, notamment la résolution de Moja. Nous avons toujours considéré le Bénin parmi les appuis du Maroc, parmi les pays qui soutiennent une solution définitive à ces différents régionales dans le cadre des Nations Unies, sur la base des résolutions des Nations Unies. La présence de son Excellence le ministre aujourd'hui à la conférence sur la question du Sahara marocain a été un témoignage que le Bénin est pour que cette question soit réglée dans son cadre naturel, qui est celui des Nations Unies, que l'Union africaine est là pour accompagner, soutenir ce processus. Et M. le ministre a dit un mot très juste, très pertinent. C'est que pour que notre travail au sein des organisations internationales soit pertinent et soit fidèle, il faut que nous commençons par respecter les décisions que nous prenons. À Nouakchott, nous avons pris une décision pour que laisser le dossier du Sahara marocain aux Nations Unies, aux efforts du secrétaire général ou de son envoyé personnel. L'Union africaine, comme toute autre organisation régionale, peut apporter, doit apporter son soutien, son appui à ce processus. Il n'a pas à développer un processus parallèle, il n'a pas à chercher une solution en dehors de ce cadre-là. L'Union africaine a mis en place une troïka comme instrument pour exprimer ce soutien, pour briefer les États membres sur l'évolution du dossier au niveau des Nations Unies. Et non seulement la présence de M. le ministre, son intervention, son implication dans la déclaration finale ont été hautement appréciées par le Maroc, parce que c'est la voie de la sagesse, c'est le bon côté de l'histoire. L'histoire retiendra que ce jour-là, nous nous sommes réunis pour dire non à la division de l'Afrique, non aux manœuvres contre l'unité africaine et qu'on travaille loin de toute pollution. Le président de la République m'a chargé également de...